Aujourd'hui, nous avons convoqué une réunion avec tous les cadres de INANA AFDCA, puisque dernièrement ici, il y a une nomination. Alors, il aurait fallu que nous puissions quand même faire connaissance de tous les cadres. Et même la lecture des décisions collectives portant nomination, et même du fédéral et de tous les cadres, la lecture a été faite et l'échange a été vraiment fructueux. Alors, INANA n'est pas encore connue dans la province du Tanganyika. C'est quoi les perspectives d'avenir de ce parti politique? Ouais, comme vous le savez, l'INANA ici au Tanganyika paraît quand même comme un parti là nouveau, mais ce n'est pas un parti nouveau, c'est un parti qui existait depuis longtemps. Et à présent nous sommes là, nous sommes en œuvre, nous voulons maintenant implanter le parti partout dans le Tanganyika. Voilà pourquoi, même si les décisions là qu'on a lues dans la salle, nous avons déjà la section à Kongolo, la section à Moba, et même dans un village là du côté Sola. Donc d'ici là à Nyunzu, j'ai déjà quand même, on m'a déjà envoyé le nom de celui qui va représenter les partis à Nyunzu. Et il va nous rester seulement Kalemi Territoire, et Manono, je pense, et ainsi que Kabalo. Alors d'ici c'est quoi là, message pour Sandron intégré à un message? Vraiment, nous invitons surtout ceux qui ont des ambitions politiques